Là où ça bouge, dans les coulisses du théâtre de Caen, à partir de ce soir, dans le cadre des Boréales, vous pourrez découvrir un ennemi du peuple d'Henrik Ibsen. Dernière répétition. Ne résulte rien de bon. Par contre, on ne reprochera jamais à un citoyen de s'exprimer de façon pondérée et sincère. C'est la première fois que vous travaillez Ibsen. Ouais. Pourquoi ? J'en ai envie depuis très longtemps. C'est un auteur qui me fascine depuis très longtemps. Et alors c'est un peu particulier, Un ennemi du peuple, parce que finalement, ce n'est pas une pièce très représentative de son théâtre. C'est la pièce la plus simple. Voilà, elle est presque un peu shakespearienne, presque brechtienne même à certains moments. Vous savez ce que c'est, en réalité, ce grand, ce magnifique établissement thermal tellement vanté qui a coûté si cher? Le docteur Stockmann découvre un jour que les eaux de la station thermale de son village sont empoisonnées. En 1883, Henrik Ibsen parle déjà d'écologie et de lanceur d'alerte dans une pièce de théâtre. Dans Moldalen, toute cette puanteur atroce qui s'en dégage, ça infecte l'eau des canalisations, que cette tannée saloperie souille la plage, putain! Elle est encore plus actuelle aujourd'hui, elle est encore plus effroyable, c'est pour ça qu'on l'a monté vraiment comme une comédie, parce que je pense qu'on n'a jamais senti autant qu'aujourd'hui à quel point l'économie, l'écologie, le social, le politique, tout ça, c'est quasiment la même chose. Enfin, tout est lié. Dans sa croisade, le médecin s'attire les foudres des autorités, mais aussi celles de ses concitoyens, et l'idéaliste sous pression de révéler la part sombre de sa personnalité. Ce qui est très fort dans la pièce, c'est que c'est pas du tout un héros, c'est un anti-héros. Mais les gens ont envie d'en faire un héros. Et toute l'ambiguïté du spectacle tient au fait qu'on trouble cette frontière entre le héros et le monstre, enfin, vraiment. Bah maintenant, je vais leur lâcher une de ces rafales. Là où ça bouge, à Hérouville-Saint-Clair, à la Fonderie, pour vous parler de Cirque. Le Festival des Boréales a invité la compagnie Circus I Love You. On va aller les voir. Une partie du concept du spectacle, c'est que, vu qu'on n'a pas de coulisses, les 8 acrobates musiciens sont sur la piste du début à la fin, en fait, du spectacle. Et du coup, effectivement, aussi, vu que le public est tout autour, pour tout le monde, c'est très clair qu'on est au cirque et que les artistes sont en piste et qu'il faut y aller. C'est la seule compagnie aujourd'hui en Scandinavie à se produire sous un chapiteau. On sait que le climat scandinave n'est pas forcément propice. Donc c'était un choix ambitieux et courageux de leur part. On a souhaité vraiment les accompagner. Et puis on a eu un coup de cœur en découvrant le spectacle. Et on n'est vraiment pas déçus, le public non plus. Le spectacle ne choisit pas entre un concert circassien ou un cirque musical. C'est surtout un spectacle extrêmement généreux, avec des vraies prises de risques et une intensité assez incroyable. L'idée, ça a été de faire un spectacle où il y aurait un morceau de musique qui démarrerait au début du spectacle, qui s'arrêterait à la fin du spectacle. Et même avec le cirque, on démarre au début et on n'arrête pas.